Bonsoir. Je vais partager deux, trois choses avec vous qui vont vous aider. Et le but, c'est de vous reconcentrer ou bien vous recentrer sur vous-même. OK? Ah, le but qui est là-bas n'est pas bon. Ok. On a une place là-bas, elle veut venir chercher. On ne peut pas marcher seul. Qui ne peut pas marcher seul? Michel, elle ne te connaît pas, on est ensemble. Ah, d'accord. Attends alors. J'espère que cette vidéo va vous permettre de concentrez-vous sur ce que j'ai à dire. Ok? Voilà. Nous sommes dans un moment délicat parce que votre attention est très rapidement détournée de ce qui est important. Ok? Tu peux acheter la couronne, tu mets, tu es couronné, tu as ceci, cela. Tu écoutes mes vidéos tout le temps. Mais tu souffres toujours. Parce que tu as un problème d'attention. L'ennemi, la Bible dit que l'ennemi vient pour détruire, pour égorger et pour voler. En côtoyant beaucoup de personnes, je côtoie parfois des gens, je reste. Je dis, mais pourquoi? Avec tout le travail que j'ai fait sur toi, toutes les vidéos que tu écoutes, tu as écouté 500 de mes vidéos. Ton argent ne vient pas toujours. Tu es tout pauvre. Parce que dans mes vidéos, je mets ce que je fais qui me donne l'argent. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous êtes toujours pauvre. Première chose, c'est que vous êtes chiche. C'est vrai que je ne comptais pas dire ça comme ça, mais vous êtes chiche. Ouah. Ok. Vous êtes chiche. Vous pensez que c'est en gardant, c'est en économisant qu'on a plus. L'argent coule. Va ouvrir ton robinet dans la cuisine. Ouvre, tu laisses, ça coule. Peu importe la saleté qu'il y a dans ton évier. Ouvre seulement l'eau, tu laisses, ça coule. Après un moment, il n'y aura plus de saleté. Tu vois quelqu'un met un service, tu n'achètes pas. Tu n'achètes pas. Hein? C'est cher. Écoute, hein. Tu dis que pour quelqu'un est cher, tu vas mettre pour toi, on ne va jamais acheter. Un kick, on ne va pas acheter. Tu es chiche dans le sens où tu veux toujours recevoir pour ne rien donner. Tu es dans mes vidéos tous les jours. Hein? Tu peux faire mettre tes mégas, c'est pour Facebook qui profite. Tu n'as jamais acheté quelque chose qui va t'aider de ce que je donne ou je vends. Tu n'as jamais fait une offrande, quoi que ce soit. Tu n'as jamais, même un orphelin n'a jamais vu tes 5 francs. Hey, mon père ne m'a abandonné. Mon oncle, personne ne m'aide. Même si on porte, on te donne, ça va finir. Parce que tu es pauvre dans la tête. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes des parasites. Parasites de votre gouvernement où vous vivez. Parasites de la France, parasites de la Suisse, parasites de votre mari, parasites de vous êtes des parasites. Oui, vous êtes des parasites. Tu viens accrocher sur quelqu'un.
À un moment, la personne se demande aussi que, ouais, c'est même quoi ça? Non, sérieux, il y en a parmi vous, je suis fatigué de vos messages. Parfois, vous écrivez, je ne regarde même pas. La fille, ça fait un an. Un an et demi, ma chérie, que tu me suis. Oh. Tu me fais les offrandes de 2000 depuis un an. Tu viens encore chez ton frère. Donc, dans ta tête. Oh, Seigneur. Mais si, je suis protégée. Deuxième raison. Tu aimes t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Moi, je te dis, moi, Hora. Vous avez les fausses conversations. Les fausses conversations qui ne vous amènent nulle part. Tu vas aller sur TikTok. Te voilà. Tu es sur les vidéos. Écoutez. La cocose de diamant, elle te fait quoi? Même si elle a l'argent, elle fait que c'est ton problème. Ça va te donner l'argent. Ces gens même encore qui quelqu'un qui est sataniste ou bien qui a fait telle star qui est venu faire son concert, il s'est habillé comme Satan. Ça te fait quoi? Il y a encore quelle actualité sur les réseaux sociaux? Madame Cooper qui est morte, ça te fait quoi? Ah, Kabou, ça te donne quoi? Ouais. Vous vous concentrez sur les choses qui ne vont rien vous apporter, qui ne vont rien vous donner. Et quand tu parles de ça, tu mets le poumon sur ça. Tu mets le cœur. Tu mets le cœur. Hey! 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 Et vous connaissez les algorithmes des gens, cela, non? Quand tu regardes un, deux vont venir, trois vont venir. Tu vois que quand tu fais zap, zap, tu tombes sur une vidéo qui parle de cocos de diamant. Zap, zap, cocos de diamant. Zap, zap. Tu as passé une heure. 4 heures, toute ton énergie. Le Congo Sao. Ça te donne quoi? Hein? C'est comme ça que tu te disperses. Hein? L'argent, quand il vient vers ceux qui sont concentrés vers lui. L'argent est jaloux. L'argent est jaloux. Que je vois, que je vois comment quelqu'un vive perdre mon temps. Et je vais te parler. Je dis que je ne te parle pas. J'ai fait 2 heures de vidéo aujourd'hui. J'ai fait 2 heures de vidéo. Pas regarder ma vidéo. Non, 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 je vais te parler. Je vais te parler. Je dis que je ne te parle pas. Tu n'as rien à faire de ton temps. Tu veux y prendre ma part de temps. Non. Tu as menti. «
L'argent est jaloux. Toute personne que vous voyez là-dedans qui a l'argent et que vous n'avez pas, écoutez bien, et que vous n'avez pas, la personne là s'est concentrée sur son argent. La personne s'est concentrée comme le lait concentré. Et voilà, tu dis que c'est dimanche après-midi. Il faut qu'on se relaxe. Tu te relaxes, que tu as fait quoi? Hein? Au fac, la maison là où tu vis, tu appelles le loyer aujourd'hui, non? Hein? Divise, tu me dis si le loyer a enlevé 4 jours de la semaine sur ton loyer. Du mois. Si tu payes un loyer de 20, combien de jours? Au lieu de payer 30 jours. Tu payes 31 jours ou 30 jours, non? Il y a aussi quelque chose qui dérange les gens spirituels, qui fait que vous êtes pauvre. Vous pensez que la spiritualité, c'est la charité. Parce que vous savez, jamais d'entre vous avez commencé à l'église. Comme le pasteur lui-même, c'était chaud sur lui, il n'avait pas. Il ne savait pas comment il devait vous dire. Non. Ma soeur, il faut seulement faire, Jésus t'aime. Non, Jésus veut que tu sois prospère. Jésus t'a donné des dons. Tu as des dons en toi. Et la Bible dit que tes dons vont t'amener devant les rois. Je ne pense pas quand on parle devant le roi, on s'habille bien. Je dis que quand on dit que la reine veut te parler, même si tu regardes le plus pauvre, ton devoir c'est de chercher l'habit qui est bien, tu mets sur toi pour aller voir la reine. Donc tu es censé la voir, elle a plus que toi, mais toi tu t'habilles encore, tu peux encore chercher la Bible pour porter. Tu prêtes même l'argent pour porter la Bible bien, pour aller voir la reine, alors que c'est elle qui a plus que toi. Normalement tu devais aller en habit gâté, et puis elle te donne l'argent. Non. On vous a lavé le cerveau. Tu es là chaque jour avec tes dons. Un don n'est pas fait pour donner. Hein. On m'a donné. J'ai reçu gratuitement. Et vous allez me dire que non. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Freely you have received. Freely you should give. Mon don doit m'amener devant les rois. Répétez ça. Mon don, mes dons doivent m'amener devant les rois. C'est pour ça que tu es là comme ça. Quand tu pries, on sent comment le ciel descend sur la terre. Quand tu pries, on sent la connexion, on sent la puissance, l'onction. Tu finis même acheter le McDonald's à quelqu'un que tu ne peux pas acheter. Hein? Tu n'as pas honte? C'est le temps de Dieu. Seigneur, ton temps viendra. Seigneur, 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 Seigneur. Mon bailleur veut que je sorte de la maison. On m'a envoyé la lettre d'expulsion. Seigneur, Seigneur, je n'attends que toi, Seigneur. Chaque mois, voilà comment tu fais pour payer ton loyer. Chaque mois, voilà comment tu fais pour payer ton loyer. C'est pour ça que quand tu parles de Dieu, genre, les gens te regardent. Pardon, aidez-la pour ça. Elle a besoin d'argent et de nourriture. Pardon. Il faut l'habit de Noël pour les enfants. Pardon, donnez-lui. Jésus t'aime. Vraiment. J'ai fui un rêve. Comment tu. Vraiment, il faut que. C'est pour ça que quand tu parles, tu vois, non. C'est pour ça que quand tu parles, on ne t'écoute pas. Tu comprends? Parce que là où tu es, on te regarde dans ça là. Dans sa petite maison là. Tu vis toujours dans la petite chambre là, avec tes colocataires là. Oui, oui, le Seigneur va faire grâce. Le Seigneur fera grâce. Vous voilà, hein. On vous a dit qu'être spirituel, ça veut dire que ta vie doit dormir. C'est ça qu'on se moque de vous avec ça tous les jours.
se moque de vous. Bien même. Ah. Tout peut vous distraire. Tout. Écoutez, il y a les saisons. Il y a les saisons. Mon argent a commencé à entrer dans ma poche quand j'ai décidé que ça, c'est ma saison de l'argent. Venez avec n'importe quoi. Venez me tourner à gauche. Tournez-moi à droite. Même le sport, j'avais arrêté. Quand il commençait, j'avais arrêté le sport. Quand il commençait à chercher l'argent, j'avais arrêté le sport. Je ne battais plus à la salle de gym. Non. Je ne battais plus. 6h30, 5h, 21h, 23h. Tout ce qui occupe mon esprit. Comment faire que mes dons soit utilisé. Comment faire que mes dons servent aux gens? Ça, c'est en m'en foutant. J'ai arrêté de partir dans certaines églises. Je n'aime pas l'église de quelqu'un. J'ai arrêté. Et les enseignements en ligne que j'ai arrêté de regarder. Vos pasteurs et pasteurs et pasteurs, c'est cela. J'ai arrêté. Oui. Il y avait une église où je partais. Surtout quand j'ai pris la dernière tangente, tout ce qu'elle dit que la fesse là doit donner. Pasteur arrive. Lui-même, il a garé quand même une Q7. Quand même, ouais. Et moi, ils avaient déjà remarqué que moi, j'aimais m'habiller toujours comme une duchesse. C'était une église française. J'aimais tout m'habiller comme une... Quand on était deux comme ça, il y avait aussi une métisse là. Ouf, la fille, elle te tapait des habits de 2000 euros, 3000 euros. Et on la frustrait beaucoup dans cette église-là. On la frustrait beaucoup. Elle était belle. Métisse, avec les cheveux blonds comme ça. Les yeux du chat. Je crois peut-être que sa mère devait être métisse et son père. Elle devait être issue de deux personnes très très brunes. Mais c'est, tu vois, le genre de fille qui est comme moi, si là, mais elle a les cheveux jaunes là, et les yeux du chat, plus brunes que moi. Et elle savait s'habiller. Oh là là, elle avait une classe. On la visait trop. Tu sais, vraiment, qu'est-ce que tu as porté aujourd'hui? Franchement, tu viens impressionner qui dans la maison du Seigneur? Tu vois les petits mots qu'on te pique comme ça, on te pique. Un jour, on s'est retrouvés. Elle voulait me déposer. Oh là là, je me rappelle encore d'elle, que le Seigneur la bénisse. Où qu'elle soit actuellement. Et en fait, elle était venue se rester dans cette église parce qu'elle avait eu des problèmes avec sa mère. Elle avait une enfance difficile. Elle, à un moment, elle quittait de sa mère, elle est partie. Chez sa mère, elle est partie. Et elle est tombée dans des relations avec des hommes riches qui, ça n'a pas bien abouti. Ce qui fait qu'elle a été un peu meurtrie dans la relation. Et elle avait des bons boulots, genre manager à l'âge de 23, 24 ans. Tu vois, le genre de fille que son étoile perçait vraiment. Et après un moment, elle a chuté. Quand elle a chuté, l'église l'a ramassée. Mais tu sentais qu'il y avait encore ça dans elle. Elle était déjà un peu arrogante. Quand elle arrive, elle s'assoit seulement devant sa place. Elle ne parle pas trop. Et après, ils viennent vers elle. Oh, mais franchement, tu veux impressionner qui Elle avait franchement, quand tu la voyais s'habiller, tu sentais que... Donc, un soir comme ça, elle me propose de m'accompagner. Elle dit, non, je vais t'accompagner, je te dépose. Et c'est là qu'on a commencé à parler en route. Je dis, waouh, c'est comme si c'était jumelle. Je dis, waouh. Elle avait toujours eu envie. En fait, elle voulait partir dans une autre ville. Elle avait des trucs, elle avait des rêves. Elle voulait lancer sa boîte, tout ça là. Mais après, elle me dit, ouais, voilà, on me dit à l'église que si je pars, ça veut dire que j'ai abandonné mes frères en Christ. J'ai dit, what the F, what like? Je ne savais pas que mon tour arrivait. Mais voilà. Un jour, le pasteur arrive.
J'avais fait un tour en Turquie, donc j'avais acheté beaucoup de vêtements. Moi, j'aime les choses comme ça. Je viens. Généralement, je mariais mes habits, genre, je mettais beaucoup les marques. Les MK, les Louis Vuitton, Gucci. Donc, j'arrive. Voilà le pasteur qui prêche. Ouais, nous, c'est pas une église de prospérité ici, hein. Nous, on n'est pas dans les beaux vêtements. On n'est pas ici pour se faire voir. Voilà, même la voiture que je conduis là, c'est parce que c'est parce à cause de mon boulot. Mais vraiment, elle a fini, j'ai dit God forbid. God forbid. Moi, je vais être riche. Laissez-moi. Je crois que j'ai même plus fait 3 semaines dans cette église-là. J'ai arrêté de partir. J'ai arrêté. Et là, j'arrête parce que j'avais lancé ma boîte et je travaillais beaucoup. Et vous connaissez souvent un peu le chantage émotionnel qu'ils font. Oh, mais tu n'étais pas au troisième service de la semaine. Oh, le Seigneur, ça veut dire que tu t'éloignes du Seigneur. Tu t'éloignes du Seigneur. Oh là là, c'est pas bien. Je dis, je viens de lancer ma boîte. Je me suis donné un challenge. J'ai des factures que je dois payer. J'ai des clients que je dois chercher. Donc, j'ai décidé de venir juste au dimanche, service du dimanche. Ah, oh, quelqu'un vient me faire un sermon. Oh non, le coaching, c'est pas chrétien. Franchement, il arrive devant mon bureau que je venais de prendre. Regarde. Non, mais franchement, les frères de l'église et moi, on s'est concertés. On a vu que c'était en l'un de même mes frères d'une couleur, d'une couleur autre que la mienne, en tout cas. Il dit, mon frère, merci d'être venu. Tu es le plus gentil d'entre eux. C'est pour ça que tu as pris la peine de venir me dire. Mais vraiment, le chemin, c'est que tu vois là. Hein? Je sais que je vais aider les gens. Je sais ce que j'ai en moi. Et je vais y aller. Je vais y aller. Après, je les voyais seulement sur mes statuts. Après, je les voyais seulement sur mes... Même le Facebook, c'est un ou deux. Ah ah! Le pasteur l'avait prêché. Un jour, j'ai fait l'erreur parce que j'avais toujours la page ici de Give Digger. Je ne parlais pas encore de spiritualité africaine dessus. Mais je parlais de richesse. Le jour où ils ont prêché contre la prospérité, je m'appelle la femme de ce pasteur, était tombée sur ma page la semaine-là. Elle a montré à son mari. Dimanche, on a prêché sur moi. Donc, quand il parlait, je sentais que c'était moi qui l'indexais. Ah, je savais, je savais. J'avais fait peut-être 3 ou 4 mois dans l'église, je n'avais pas montré, je n'avais pas montré ce que je faisais. Mais c'est parce qu'il m'est arrivé le temps là. Comme je venais de prendre le bureau, je me suis dit peut-être je peux avoir quelques clients de l'église qui peuvent venir. Pardon. On a utilisé ça pour me crucifier. Bon, je m'en fous. Pour moi, c'était juste une énième fois où j'ai compris que la vision que les gens ont de Christ. Jésus se levait, il dit, allons dans une autre ville. Il porte le cortège. Donc il y avait des gens qui marchaient avec Jésus partout. Ils préparent, Jésus mange. On fait des... Quand ils arrivent, ils reçoivent 5000 personnes. Ça veut dire que quand ils arrivent dans une ville, ils doivent repérer. Une histoire rocambolesque. Ils doivent repérer là où il y a la viande, là où il y a la nourriture, là où il y a le marché. Parce qu'on sait que comme on arrive là, on a déjà annoncé sur TikTok et sur Facebook que Jésus est dans la ville. Hmm? Donc les gens vont venir. Les bateaux que vous conduisez, que Jésus dormait en bas, il est après les montées, il y avait la tempête là. Vous croyez que c'était un bateau de 2 places? Hmm? C'était pas le bateau de 2 places. Il y avait les navires privés. Ça c'est mon interprétation de la Bible. Je sais que vous allez avoir pour vous. Chacun a sa part. Si Jésus pouvait arriver, il dit que laisse ton boulot, suis-moi. Oh, oh Jesus. Non, mais Jésus, toi-même, là, tu étais culotté. Hein? Tu imagines? C'est maintenant que ça me vient à l'esprit comme ça. Jésus te rencontre, il dit, laisse tout ça, tu me suis. C'est pas l'arrogance, ça? Jésus, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Oh. Laisse, viens travailler pour moi. En une journée, Jésus recrute 4 personnes. Le lendemain, il recrute encore ça. Il y a un moment dans la parole où il parle,
Il dit, vous allez maintenant boire mon sang, vous allez maintenant manger ma chair. Et on dit qu'il avait 70 disciples. Ça veut dire que Jésus avait 70 personnes minimum. Minimum. Qui marchaient avec lui. Il y avait le trésorier. Il y avait sûrement les cuisiniers. La preuve, quand Jésus est mort, ils ont continué dans Actes. Allez lire Actes des apôtres. Il y avait des portions qu'on divisait. On donnait pour les veuves. On donnait pour les orphelins. C'était dans la pauvreté. Arrêtez aussi qu'on essaie de vous convaincre que Dieu n'était pas pauvre, que Jésus n'était pas pauvre. Oh Jésus, Jésus, mon bon Jésus, paye mon loyer, mon petit loyer, une chambre de 250 euros, Jésus, Jésus, arrêtez. Arrêtez. On vous a menti sur Jésus. Allez, relisez encore la Bible, relisez encore. Avec une nouvelle perspective. Il arrive dans une ville comme ça, c'est l'évêque seulement, les plus grands chefs religieux viennent le voir. Parce qu'on savait d'abord que financièrement, là, si c'était un petit, c'est qu'on le portait, on le mettait en prison le premier jour. Vous savez le pouvoir de l'argent, non? Oh. Il arrive, on dit que tu vas partir chez le directeur des impôts de cette ville. Zacharios. En anglais, c'est Zacchaeus. En français, je ne sais pas comment on dit. Zacchaeus. Le coup type là qui était monté sur l'arbre là. Et aussi Matthieu, celui qui collectait les taxes. Si tu peux prendre quelqu'un qui collecte les taxes, tu lui dis de laisser son travail pour te suivre. Gars, il faut que tu aies le backup quand même pour payer le paie là. Il va faire deux jours avec toi, il va dire que tu peux pas me tenir. Parce que pour vous, dans votre tête, c'est que quand on suit Jésus, on va dans la pauvreté. Jésus, je te suis. Jésus. Jésus, Jésus. Voilà, vous voilà dans la pauvreté. Vous voilà. Quelqu'un me dit un jour que moi, vraiment, quand dans mes moments intenses de spiritualité, je ne manquais jamais. Quand je sors, même si je n'ai pas l'argent du taxi, en rentrant, que quelqu'un m'a donné l'argent du taxi. Je dis, c'est tout. C'est tout. Ah, Jesus. Tu te vantes avec ça. Arrêtez aussi, vous. Seigneur, tu m'as donné le tapioca pour manger aujourd'hui. Eh, Seigneur. Seigneur, merci. Voilà tout ce que vous demandez à Dieu. Voilà pourquoi vous êtes pauvre. Vous voilà. N'acceptez pas. Regardez-moi toujours comme ça. Vous regardez mes vidéos chaque jour. Désabonnez-vous de ma page. Quittez. Oh. Non, moi, je ne manquais. Quand j'ai demandé le pain, je vais marcher comme ça. Quelqu'un va me donner le pain avec le haricot. Je vais manger. Et tu es là, tu crames. J'essaie Dieu. Ciao. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui sert Dieu et qui a une grosse voiture, tu dis non, ça ne correspond pas. Si quelqu'un a porté le parfum de 15 000 dollars, écoute, 15 000 dollars, elle est venue verser sur les pieds de Jésus. Tu crois que Jésus marchait avec les sans confiance et les chics? Jésus avait les chics? Oh, hop. Elle a porté son Christian Dior, plus, édition limitée, 1553, qui a été gardé pendant 400 ans dans le coffre privé de Monsieur Dior. Après, on a retiré, on a mis ça aux enchères.
Elle a acheté ça à 15 000 dollars. Elle dit, il faut que pas te verser ça sur les pieds de Jésus. Donc tu penses que Jésus était pauvre. Et quelqu'un prend le parfum de 15 000 dollars. Conversion en CFA. On m'a dit que peut-être 15 000 dollars, ça va donner peut-être 9 millions de francs CFA. Quelqu'un prend le parfum de 9 millions, vient verser sur tes pieds. Et tu es pauvre. Tu es pauvre. Hein? Raisonnez, s'il vous plaît. Raisonnez. Peu importe ta façon de prêcher, tu ne peux plus me convaincre de rentrer dans la pauvreté. Never, never, never. Écrivez cela, never, never. Never, vous mettez le R là, sur ça, never. Pas never, never. Oui. Sûr que quand vous priez, vous demandez des petites choses, Jésus vous regarde comme ça là, il dit, yeah, yeah, mes enfants, c'est là, qu'est-ce qu'on vous a lavé le cerveau comment? On vous a lavé le cerveau comment non? Seigneur Jésus, donne-moi le petit pain que je vais manger aujourd'hui. Pardonne-moi mes offenses. Seigneur, que je puisse seulement avoir un peu de tapioca pour manger avec mes enfants. Ouais, Seigneur, merci. Comme hier, tu as donné un peu de poisson. On a pu préparer, même comme on ne sait pas ce qu'on va préparer après-demain. Vous voilà. Allez voir David. David faisait le festin. Il y en a parmi vous êtes tellement chiche. Vous êtes onam. Onam tach. Où you are? Tu es chiche jusqu'à ça a dépassé le lot, ça a inondé la maison. David préparait, il reste conseillé, dit qu'on n'a pas encore appelé les gens de quel côté de cette ville. Et... venez manger. Venez manger, venez. Asseyez-vous à ma table, mangez, buvez. Mangez, buvez, buvez. Allez, buvez. On en a encore à boire, buvez, buvez, mangez. On te dit de prendre le sifa, tu fais le salaka de 5 000 ou de 10 000. Il va l'argent. Vous allez voir que les gens qui donnent, les gens qui donnent toujours, ils ont toujours. Toujours. Je vous dis. Souvent quelqu'un vient voir. Pourquoi tu lui donnes autant? Pourquoi tu donnes? Bah, écoutez, hein, le principe spirituel de base des choisis. Oh, chakra baba, sang terrible, chakata. Quand un sort, 10 entre. Vous suivez? Vous n'avez pas encore saisi ça. C'est pour ça que ta main est comme ça là. Ta main est comme ça là. Tu es comme le manchot là, comme le... Souvent, quelqu'un vient à côté de toi, il te voit. Il voit comment tu donnes l'argent aux gens. Écoutez, hein, j'ai même encore plus de plaisir à donner l'argent à mes ennemis. Je sais que vous ne m'aimez pas. Hein. Écoutez, les gens me prennent souvent pour une idiote. Et j'aime ça. Je vous observe. Dès que tu as un problème, que tu m'appelles. Dès que donne, tu es là, je dis le frein à main. Hein. Dès que Don Dieu là, tu te tournes comme ça, tu peux parler mal de moi. Je ris. Souvent que j'ai quelques personnes qui viennent à côté de moi, est-ce que tu sais ce qu'elle a dit de toi? Hein? Est-ce que ça va empêcher que demain elle vienne prendre encore? Hein? Elle croit que comme elle a pris là, ça va finir dans ma poche. Ce n'est pas d'abord toi qui m'as donné. Ce n'est pas toi qui as ouvert mon onction. You don't know anything about it. Tu crois que tu es qui? Pourquoi? Des petites miettes que tu viens prendre là. Ils sont les gens qui disent que non, ne donne plus. Ne donne plus. Ne donne plus.
Je dis vraiment, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. I'm scattering my bread. I'm scattering my bread. Parfois, quelqu'un vient, il prend. Ce qu'il prend pour lui, c'est beaucoup jusqu'à... Il croit qu'il t'a démuni. Il croit qu'il t'a tué. Elle va devenir pauvre. Oh, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Quand un sort, 10 entrent. Vous me suivez? Un là, appelez ça 1 million, appelez ça 1 milliard, appelez ça 1000 francs, appelez ça 10 000. Les choisis qui marchent par l'esprit. Par l'esprit. Ils sont conscients que leur argent est comme... Je vais me prendre quoi pour l'analogie ici. C'est comme une bouteille. Hein? Tes anges s'assurent seulement que c'est toujours plein. Si tu retiens un bouchon, tu verses. Loup, un bouchon entre. Tu retiens un verre, tu verses. Loup, un verre se remplit. À un moment, Dieu se fatigue, il dit, donnez-lui le kumbu. Donnez-lui le kumbu. Non, donnez-lui même le fût fois. Oui, le petit, la bouteille était petite. On remplit encore. Des détraqueurs viennent. Et je vous dis que vous devez arriver à un niveau de conviction profonde dans votre esprit. Donc même dans le sommeil, même si on ne peut plus te voler. Parce que tu es convaincu que mes finances sont des finances divines. Mon argent est connecté à la source. Je ne peux pas devenir pauvre. I cannot be poor, I cannot be empty. Je ne peux pas me vider. C'est ce qu'on appelle le porte-monnaie magique de Dieu. Pas vos affaires, vous partez voir les marabouts qu'on vous donne là. Voilà le vrai, le popo. On ne peut pas te vider. Et ce qui fait que ça te vide, c'est quoi? La peur. Hey, j'ai perdu 400 000 là-bas. Aïe, 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 aïe. Tu check ton compte. Tu check le compte. Tu dis, ah, 400 000. Hey, on va faire comment? 400 000. Maman, je vais faire comment? Hey? Non, non. Va voir. Va voir la bonté de Dieu sur ta vie. Go and look at the goodness of God in your finances. Va voir que depuis 6 mois, ton argent ne fait qu'augmenter. J'ai eu des moments avec des pertes financières que je me suis dit que, non, l'autre cela, peut-être ça va me secouer. Hein? Non. Non, 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 non. Oh. Je regarde, je dis que Seigneur, ça, la fête, il fonctionne comment? Il dit, laisse cet esprit bien. Que efface tous les papiers que tu croyais que tu avais connu, tu connaissais, que tu lisais là. Viens, je t'explique. One on one. Tu ne peux pas être pauvre. Écris cela. Je ne peux pas être pauvre. Tu as besoin de 5 millions. Le besoin là va se pointer le 15 avril. Le 31 mars. Dieu te donne 5 millions. Tu reçois les 5 millions là. 10 jours plus tard, tu vois le problème sort. 5 millions. Tu dis, ah, c'est une vidéo. Ah, je comprends maintenant. Donc avant que le problème se pointe, tu remplaces d'abord. Hein. Ah, Dieu, Dieu, Dieu. Ne refuse même pas, ma chérie. On ne refuse pas. Tu dis, écoute, tu as fait faire comme si on t'a d'abord donné même. Hein? Ne vous cassez pas pour les déclarations. Hein. Donc, même si on multiplie, on emprunte une dizaine, on remplace, on fait comme ça là. Ça ne peut pas se passer.
Parce que quand tu dis que tu refuses, ça veut dire que c'était l'option A ou l'option B. Maintenant, tu as refusé l'option B. Non. Ça ne se peut pas. On ne peut pas emprunter, on met sur ça, ça se passe. Ça ne se peut pas. Arrêtez de refuser. On ne refuse pas. Tu refuses quoi? C'est d'abord où? Ah ah, c'est où? Ce n'est nulle part. C'est comme si tu dis que je veux pas sortir avec toi. Il t'a d'abord dragué. Est-ce que tu peux refuser un dragueur qui n'existe pas? Ce n'est même pas là. Ça ne se peut pas. J'avais le professeur de maths, il faisait que si on emprunte une dizaine, on met ici. Il dit, cela ne se peut pas. Maintenant, je prends un ici, je mets là-bas. Il dit, cela se peut. Donc l'autre, même si on emprunte, on multiplie, on fait des mots. Ça ne... Parce que quand vous enseignez les principes divins ici, là, les principes divins protègent. Même quelqu'un qui est jaloux, il vient, il dit qu'il va prendre ton argent. Il va... Jésus avait dit que détruisez le temple aussi. Détruisez. Ok, vous avez vu, j'ai construit, non? Tu as vu tout mon argent que j'ai mis là, non? Hein? Détruis. Détruisez. 3 jours. Combien de fois vous avez abandonné les choses aux gens? Tu commences le business avec quelqu'un. Tu commences le business avec lui, hein? Hop! Il te traite comme si tu étais son employé. Il porte tout. Il part avec. Tu cours derrière lui. Tu peux même porter plainte. Après, tu dis que tu sais quoi? Tu enlèves la personne de ton énergie. Ne parle plus de lui. Ne lui parle plus. Ne le cherche plus. Ne l'appelle plus. Ne donne pas son message à quelqu'un. Enlève-le de ta vibration, de ton énergie. Si en un mois, tu n'as pas l'argent que la personne a pris, en mettant les principes que je vous dis là, revois encore le Dieu que tu dis que tu sais. Vous ne connaissez pas les forces avec lesquelles vous travaillez. Vous blaguez parfois avec les forces. Les forces spirituelles. Les forces spirituelles. Oh là là. Tu peux avoir pris tout mon argent, c'est dans ton compte. Hein? Tu as pris physiquement l'argent, mais l'énergie qui a produit l'argent est dans mon compte. L'argent, c'est l'énergie physique. Tu viens, tu prends mon argent. L'énergie qui a produit ça est encore dans moi. Vous me suivez bien? L'énergie qui a produit l'argent que tu as pris, c'est encore dans moi. C'est moi. Je suis la productrice. Ça sort de moi. Ça sort de ma vibration. Ça émane de moi. Quand il parle, je sens comment ma vibration est en train de monter seulement. Aïe, l'argent arrive. L'argent, j'aime l'argent. Je connais, je peux sentir quand l'argent vient, je vous assure. Ouh, l'argent. Souvent ces personnes-là sont à côté de toi. Et Wanda, comment tu manifestes l'argent facilement? Tu vas au salaire, bam, 5 000 euros. 15 000 euros. La personne marche avec toi, il faut comment tu dépenses. Tu sors 50 000 euros, tu dépenses, tu achètes tel truc avec. Après, c'est quoi que tu vas faire même encore, même un an avant d'avoir l'argent. Le mois prochain, tu dis que je suis encore en train de partir, faire un projet là-bas, je vais finir je vais toller ma maison là, après je vais m'aménager. Ah, tu as dépensé près de 50 millions ici là, non? Tu as encore l'argent comment? You don't understand. You do not understand. This is not for everybody. Ce n'est pas pour les enfants. C'est ça que je vous ai dit que quittez, désabonnez-vous de ma page. Il ne faut pas venir se gâter mon énergie, pardon.
Je vous ai dit que si vous me suivez depuis un an, vous êtes encore pauvre. Quittez sur ma page. Tu vas voir rester ça, tu m'envoies même 300 000. Tu dis que prends ça, tu achètes. Achète même ton jus avec. Bonjour, petit oiseau. Ça va? Ce que je dis te plaît. Hein? Attends, le papa, on va te voir. Le papa, il part. Ça, c'est même quel genre d'oiseau, ça? Bon, ça va. Il me fâche plus avec toi. Reviens alors. C'est bon. Voilà notre coq là-bas qui est sur le toit. Tu peux chanter sur le toit des gens. Ce sont les choses qui sont ancrées dans votre subconscient. C'est ça qui vous détruit. C'est ça qui vous détruit. Dans la nuit, Dieu te dit que laisse l'argent là. Ne parle plus de ça. Ne parle plus de ça. Quelqu'un vient te dire, tu avais fait comment avec l'argent là de l'autre là? Il pique encore la plaie comme ça. Pic. Eh oui, n'est-ce pas l'idée de venir faire comme ça? Eh, n'est-ce pas l'idée de faire comme ça? Tu es en train de vider ton argent, ma chérie. Tu vides ton énergie. Hmm? Tu es en train de vider ton énergie. Mon énergie est précieuse. Pas tout le monde qui mérite mon attention. Pas tout le monde qui mérite même que tu lises. Que je lise même ton message, c'est un privilège. C'est un privilège. Oui. Même si tu me dois, hein, tu as mon argent. Je ne coupe pas derrière toi. Why should I courir derrière you? Why? Why should I courir derrière you for my money? Moi, je lis vos messages, là, je peux voir les pauvres, je peux vous voir dans les commentaires, je suis désolée. Oh my God, je peux lire les pauvres dans les commentaires. Vous voyez, cela vous force, l'argent ne se force pas. Un choisi, première des choses, il veut donner. Un choisi ne se plaint pas tout le temps. Il ne veut pas que tout le monde comprenne comment on l'a menacé dans sa vie. Il est trop concentré là où il va. Waouh, je me vois demain en train d'acheter telle chose. Waouh. Le choisi a une énergie que tu aimes être à côté de lui. Tu aimes être à côté de lui. Il y a des mots que le choisi n'utilise pas. On n'a pas, il n'y a pas, c'est fini. Il part, au lieu d'acheter un, il achète même 10, il dépose à la maison. Il a besoin de quelque chose, il achète sa chose. I need something, I buy it. J'achète, je ne demande pas, j'achète. J'achète. L'une des dernières raisons pour lesquelles vous êtes encore pauvre, c'est que, je ne sais pas, j'hésite entre deux. Je dirais, vous ne connaissez pas encaisser l'argent. À cause, you don't know how to cash in the money. Je viens pour vous donner un exemple.
Tu es en train de faire quelque chose. Et attendez, je cherche un bon exemple. Et normalement, les gens qui sont pauvres, ils aiment bien cette façon. Si l'argent, tu as ton magasin, quelqu'un vient pour acheter quelque chose, il veut te payer, tu dis non, ne me paye pas encore. L'argent n'a pas d'importance. Faisons d'abord le service. Vous voyez un peu. Bon, je vais prendre cette analogie peut-être. Quelqu'un vient, l'autre jour, j'allais au bord de l'eau avec une de mes amies et j'avais pas de sous pour payer parce que j'avais l'argent était dans le téléphone, dans Orange Money, dans Airtel Money. Donc, je lui dis voilà, paye, je te vire ton argent. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas cash in son argent, quand la personne va payer, tu vas dire non, rentre même à la maison avant de m'envoyer mon argent. Non. Donc, tu ne connais pas donner la place rapide à l'argent. Tu vas faire un produit, tu vas penser au prix du produit en dernier lieu. Quelqu'un te demande que ça là, c'est quoi, c'est quoi. Tu vends, tu as tel produit. Oui, j'ai ça. Tu vas tourner. C'est en dernière position que tu vas parler du prix. Et en parlant du prix, tu auras peur. Tu offres un service. Supposons que tu fais les consultations que je fais là. Quelqu'un vient. Je veux te parler. Tu ne dis pas que c'est payant. Tu ne dis pas. Tu restes. Il arrive. Dans ta tête, tu te dis que j'espère qu'il sait qu'il doit me payer. Tu ne lui dis pas. Il vient. Lui aussi, il dit, ah, elle va faire gratuitement. Pourquoi elle ne me demande pas l'argent? Tu fais, tu le sais bien, tu le consultes, tu parles, tu le guides. Il est content. À la fin, il dit merci beaucoup maman, merci. Hein. Tu restes ça. Tu commences à comment une douleur commence à te faire sur la poitrine. Il ne me paye pas. Tu ne lui dis pas. Hein. J'ai traversé cette étape. C'est pour ça qu'elle peut bien vous décrire. Mon cœur fait que win-win. Il ne me paye pas. Ah, oh, je veux aussi voir comment il va partir sans me payer. La personne se lève pas. Il se lève, il part, il ne te paye pas. Quand il sort, tu as l'amertume, ça t'énerve. Écoute, ce n'est pas sa faute. C'est ta faute. Si la personne t'approchait, dès qu'il te contacte, est-ce que tu as tel service que tu peux? Tu peux me... Parfois, il ne va même pas appeler sa service parce qu'il ne va pas vouloir payer. Oui, est-ce que tu as du temps pour me parler? La conversation avec moi, ça coûte telle somme. Tu veux qu'on parle? Tu veux mon temps? Peu importe sous quelle forme tu veux mon temps. Whatever the shape. Il faut que tu me payes. Tu dis d'abord ça au départ. Cash. Bam. J'ai souvent des gens qui me font ça, non? Eh, moi, je croyais que tu étais spirituel. J'ai dit, non, je ne suis pas spirituel pour tout le monde. Ma spiritualité, ce n'est pas pour tout le monde. OK? Thank you. Bye. La raison pour laquelle vous êtes encore pauvre, c'est que vous ne savez pas recevoir votre argent. Vous ne savez pas. Vous tournez comme ça, là. Vous faites comme ça. Mes services sont payants. Je paye le loyer. Et j'ai commencé à demander aux gens de me payer quand j'ai commencé à prendre aussi des responsabilités vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'un bailleur, vis-à-vis des employés. Si je sais que j'ai des gens à payer à la fin du mois, si je sais que j'ai un loyer que je dois payer à la fin du mois, si je sais que j'ai un les taxes que je dois payer. Mais attends un peu. Tu vas pas venir t'asseoir, on va causer toute la journée. Tu prends les produits. Tu dis, ouais, je vais payer plus tard. Je te laisse aussi comme ça. Hey. Je vais un peu voir si je vais dire ça à mon bailleur. Monsieur mon bailleur, tu vois, tu es tellement gentil. Le bailleur, que Dieu te bénisse, mon bailleur. Hein? Vous savez que le bailleur là ne va pas comprendre ça.
Quand tu as des responsabilités vis-à-vis des gens, toi-même, tu commences aussi à être carré. J'ai des enfants que je dois élever. Je dois payer les factures pour mes enfants. Je dois payer les factures d'école pour mes enfants. Je suis là, je travaille. Si mon enfant tombe malade, je dois l'amener à l'hôpital. Je fais comment pour payer? Donc, votre problème, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes encore pauvre, c'est que vous pensez que vos dons ne valent rien. Et vous ne savez pas prendre l'argent pour mettre dans votre poche. You don't know how to cash in the money. Certains, vous avez des services que vous rendez aux gens. Oui, je te lis les cartes. Oui, je te fais une consultation. Oui, je te fais un massage énergétique. Oui, je te fais ceci. Tu soulages la personne. Non, ne me paye pas. Ne me paye pas. Non, s'il te plaît, ne me paye pas. Je ne veux pas que tu me payes. Hein. Je ne veux pas que tu me payes. Tu es bête. Tu es bête. Ça suffit. Vos pasteurs vous ont habitué que vous partez à l'église. Tu crois que la clim qu'il met dans l'église, tu t'assois. Tu supportes la clim là, tu es content. Il paye la clim avec quoi? Hein? La chaise là, on a payé la chaise là. L'endroit là, l'église là, soit on a construit ça, soit on a payé un loyer. Tu t'assois, tu praises the Lord. On fait la quête, tu sors 50, tu donnes. Tu sors 50, tu donnes. Ils vous ont habitué, ils ont accepté les bêtises là de votre part. Faut arrêter. Et quand tu pars, tu exploites quelqu'un, tu suces l'énergie de quelqu'un, tu ne le payes pas. Tu ne vas jamais devenir riche. Tu comprends? Tu as compris l'autre là. Oh you are. Oh you are. Oh you. Tu vas mourir pauvre. Oui, je suis partie à une conférence. Franchement, j'ai beaucoup appris là-bas. Oui, on m'a payé le billet. C'est très difficile que tu profites de cette conférence. Que tu dis quelque chose, tu vas tourner l'argent de cette conférence. Ouais. Tu pars à l'église là, le pasteur il prêche, il sue sur vous, il a la sueur. À la fin, tu prends ton argent, tu pars acheter tes chaussures, tu ne payes pas la dîme, rien. Ne te dérange pas. Tu vas rester pauvre. Quand tu es pauvre, tu seras. Pauvre et gris, laid. Comme ça. Parce que tu suces l'énergie des gens, mais tu ne donnes rien en retour. Tu ne donnes rien en retour. Tu vois, tu es sage. Tu arrives chez quelqu'un, il t'accueille chez lui. Tu dors sur son canapé pendant 3 mois. Il te trouve le travail, tu travailles. Tu ne sors jamais 1 euro ou bien 5 francs. Pour dire que ouais, voilà même l'argent de la nourriture. Que la semaine-ci même. Pendant une semaine, sur les 12 semaines que tu passes dans la maison là, sois un peu d'argent. Mon tonton, tu sais que j'ai tenté d'économiser pour payer, prendre aussi ma chambre, ça je pars d'ici. Voilà ma contribution quand même à la maison. Chaque soir que tu rentres, tu manges dans la maison. Même si c'est chez ta soeur et qu'elle ne te demande rien. Tu vas voir que la semaine, ils vont un peu sourire avec toi. Ils sont un peu... Hé, hey, tu es rentré. La nourriture est sur la table. Quand tu rentres avant, tu rentres, on soulève le volume. C'est là qu'on montre le volume de la télé, alors qu'on sait que tu dors au salon. Vous ne comprenez pas, vous ne lisez pas les gens. Hmm.
Hey, Seigneur. Vous aimez tout sucer les gens. Vous voulez tout profiter. Les esprits qui aiment profiter, j'ai horreur de ça. Quand ils voient un esprit comme ça à côté de moi, tu arrives chez quelqu'un, il va te recevoir peut-être pour faire quelque chose sur toi. Je ne sais même pas. C'est pour ça que généralement, quand j'ai des gens qui viennent de l'Europe là pour me visiter, ils me gardent toujours les cadeaux. Et c'est comme ça que je vois aussi l'esprit de la personne quand même. Tu vois, peut-être parfois quelqu'un va arriver, ah tu sais, le trajet était. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne t'ai pas demandé quelque chose. Je ne te dérange pas. Mais j'ai remarqué que ceux qui ont le plus bénéficié du travail spirituel, ce sont ceux-là qui ont quand même pris la peine. Ils s'arrêtent en route. Ils disent que je pars chez quelqu'un quand même, non. Je ne suis pas obligé, mais. Tu vois, en rentrant souvent le soir, non. Achète-moi le pain. Passe à sa caisse. Tu achètes-moi le pain de 500. Tu arrives, tu déposes sur la table. C'est ça qui vous bloque, hein? C'est ça qui vous bloque comme de là. Tu es dans les petits, petits trucs, les petits, petits commerces, bête, bête. Parce que tu. Ouais, vous êtes sage, non? Vous êtes sage, non? Ma plan. Ton petit agent que tu as là, ça finit. Là, tu es chiche. Achète même une bouteille. Quand tu pars pour demander l'argent à ton oncle, tonton, finance-moi même à 500 000, je lance tel business. Ma chérie, prépare un bon couscous sauce gombo. Prends une petite bouteille de vin rouge, même de 2500. Mais sur ça, tu peux lui donner. Tu arrives chez quelqu'un, tu veux lui donner l'argent. Les bras bredouilles. Hey, les chichous, la chicheté vous a fait quoi? C'est une maladie, hein? C'est une maladie. C'est une maladie mentale. Je dis que dans la Bible, quand Jacob a volé la bénédiction de son frère, qu'est-ce que Jacob a utilisé pour donner à son père? Il a donné quoi à son père? Écrivez ici là. Quand vous me regardez, vous ne commentez jamais là. Je vous ai dit de créer les faux profils pour commenter mes vidéos. Tu connais bien. Moi, j'avais seulement dit que la nourriture. Tu dis que le veau gras. Moi, j'avais seulement dit la nourriture. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était une bonne nourriture qui avait le goût. Donc, le veau là était bien dodu. Potelé. Potelé. Tu peux marcher comme ça. Là. Tu achètes de bons jarrets là. Potelé comme ça là. La cuisse là, bien dodu. Bien dodu. Il prépare, il fait ça au four comme ça jusqu'à la peau fait comme ça, que l'huile sort sur ça. L'huile sort, ça coule. Là, il coupe comme ça. Là. Seigneur, il faut que je fasse du veau au four. Le goût de chat. Tu mets les épices dedans comme ça. Là. Tu mets ça dans la peau, dans la chair. Oh my God. Tu laisses ça même au four, même 3 heures de temps. Il est arrivé là, servi son père. Le père a mangé. 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 Merde. Servez-moi encore. Mangé. Tu as dit que tu voulais, que tu es venu demander quoi? Pardon, portez-vous lui donner. Portez-vous lui donner. Parfois, les gens à qui vous venez de demander de l'aide, quand ils voient l'esprit avec lequel vous venez, ça vous bloque vous-même. Je vous dis, roi, ça vous bloque vous-même. J'en ai tellement vu, je vous vois chaque semaine. Hé, hey, ma reine, je n'ai pas. Je n'ai pas. Quelqu'un va s'arrêter en route. Il va m'acheter l'avocat. Il y a des gens qui ont mis avec 3 avocats pour me donner. 3 avocats. Il dit, waouh, tu as pris tes 500 francs. Tu t'es arrêté en route.
pour acheter l'avocat pour me donner. Waouh. Tu sais quoi? Je vais me faire plus que ce que tu es venu demander. Il faut voir celui qui pense que c'est son devoir, c'est son droit. Et voilà, il vient comme ça. Comme ça. Il s'assoit. On le sert à boire, il boit. Goudou, goudou, goudou. Il prend. J'aime venir chez mon oncle ici. Hein? Servez-moi encore. Yay. Yay. Maman. Prends ton dernier 10 000. Pas acheter un gros coq. Tu vois le gros coq là, non? Du village. Oui, qui a la cuisse comme ça. Quand tu as sa cuisse, ça fait comme ça là. Fais un bon rôti avec ça. Hum? Ne mange même pas un morceau sur ça. Mets tout dans la mamie, dans l'assiette. Tu pars, tu déposes sur la table à, à midi. Parce que quand les gens font beaucoup d'argent et quand ils travaillent, ils sont très occupés. Quand ils voient que quelqu'un pense à lui avec un petit truc comme ça, ça le touche. Ah, ah. Tu vois, tu sers la cuisse comme ça, là, il mange ça. Son cœur fait que... En suçant un os comme ça, là. Tu n'as encore rien demandé. Hein? Tu pas encore à quelle école, là? Oh non, tonton, j'ai arrêté l'école l'année passée. Tu te rappelles pas, tonton? T'avais dit non. Ah, Non, j'ai un ami, là. Mon ami, là, à l'université de l'autre côté. Attends, je l'appelle un peu. Il prend le mouchoir, il suit sa bouche. Il boit un peu son truc. Oui, Jean-Paul. Ah, j'ai un de mes fils ici là. Tu peux le prendre dans ton école là, non? D'accord. Oui. Il va venir demain te voir. Ok. Nous voilà encore dans sa nourriture. Vous ne connaissez pas de demander des choses aux gens. Même Dieu, quand tu veux demander à Dieu, aidez-moi avec la prière. Prends quelque chose, tu apportes à Dieu. Prends quelque chose. Oh, je vais vous enseigner ça comment. Oh, Seigneur. Comment je vais dire ça à tes enfants? Vous souffrez par manque de connaissances. Oh, Seigneur. Quand tu souffres, cherche là où tu vas aller s'aimer pour demander. J'ai une de mes filles là. Ils n'ont pas beaucoup d'argent parce que lui a dit que si elle veut l'argent, elle vient travailler dans l'entreprise. Dans les week-ends. Quand elle a les week-ends, elle vient travailler. Elle bosse. Elle bosse les week-ends. Quand elle reste, elle dit qu'elle sait que son téléphone a besoin d'être upgrade. Elle achète des arachides de 1000 francs. Elle part à la boutique, elle achète des biscuits de 500. Elle dit, Ma, il t'a gardé. Il dit que l'enfant là, je crois qu'elle connaît mon secret. Elle vient. Que ma, je t'ai gardé. Elle vient, elle dépose comme ça là. Elle fait comme ça là. Je la regarde et je ris. Je ris. Oh my God. Je vois que l'enfant, c'est avec son petit argent que je lui donne. De son argent, elle a quand même pris un peu. Elle est venue, elle a acheté quelque chose pour y me donner. Vous savez, c'est quelque chose qui s'apprend. On apprend à être généreux. Même si tu ne connaissais pas faire. Parce qu'il y a des gens que quand ils ont toute leur énergie, c'est que sur eux. Eux. La façon dont j'ai élevé mes enfants. Oh là là. Quand ma fille est un peu comme ça, elle va acheter pour aller dedans. Oh, j'ai distribué aux enfants, non? Elle dit, mais ma chérie, t'as pas où? Il
tu veux aux enfants, non? J'ai dit, quand on voyage, je ne sais pas, peut-être dans une autre ville où elle va voir des enfants là-bas. Dès qu'on est à l'aéroport, non, il faut que j'achète quelque chose pour le garder. Je dois acheter quelque... On n'entre pas dans la maison des gens comme ça. Ah, oh, vous aussi. Et ça fait toujours plaisir quelque part dans le cœur de quelqu'un quand tu vois tu es venu. Même si le cadeau est insignifiant. Ah, tu t'es vraiment arrêté pour acheter le caramel de 50 pour moi. Merci. Oh là là, Seigneur. Oh. C'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui sont devenus égoïstes. Il est dans ton bureau pour te demander, tu vois la chaussure qu'il a au pied. Chaussure de 45 000. Chemise. Puis il te dit que, pardon, tonton, aide-moi, donne-moi ma main 50 000 là. Et tu es fou. Tu es même mieux habillé que moi, mais tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Et tu es même venu comme ça, tu ne m'as même pas pensé que tu venais demander quelque chose à quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle vous êtes pauvre. Moi, je vais. Voilà la raison pour laquelle vous êtes pauvre. Et vous allez rester pauvre. Vous allez comme ça là. Vous allez ngum. J'ai une réunion là, la première fois qu'on m'invite à la réunion. Enfin, j'étais peut-être le troisième mois. C'est le mois là que j'étais au pays. Je me dis, ok, il faut que je parte aussi pour voir. Et moi, je sors de la maison, je vois mes mains qui sont comme ça là, bizarre. Je dis au chauffeur qu'attends. Je remonte, je pars là où il y a mes vins là. Je pars, je prends, je crois que j'avais pris une bouteille de vin rouge. Il dit qu'on ne part pas quand même. Ça fait bizarre. Je prends la voiture, il est dans la voiture. J'arrive là-bas. Je sors de quand il gare, je sors, j'ouvre la portière derrière, je prends le vin. La dame qui me reçoit au portail, elle me dit non, ma chérie, on ne vient pas avec le vin ici. On n'apporte rien. Il y a la nourriture là jusqu'à. Il dit que mamie, moi je suis moins habituée, je ne sais pas comment vous faites ça ici, je ne sais pas comment vous faites. Ce sont des trucs de courtoisie. Et quand vous nous observez, ce sont les petites manières, les petites habitudes. Hein, que quand vous observez chez quelqu'un, c'est comme ça que tu vas savoir quelqu'un qui sera prospère. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui sera prospère. Parce qu'il est toujours à te voir que qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que... L'autre est toujours genre, tu ne m'as pas donné ça, pourquoi? Ah non, maman, mon père aurait dû me donner. Hein. Mon père, il aurait pu. Moi, il y a des gars du pays qui m'ont dragué. Quand j'ai vu leur façon de faire, j'ai compris que tu n'es jamais sorti du pays. Tu es resté, ça, c'est le truc que tu restes au Cameroun. Il faut avouer quand même que certains hommes au Cameroun sont villageois. Je suis désolé, excusez-moi. Certains sont un peu villageois. Hein. Il avait remarqué que chaque fois que je voyageais, si je voyage deux fois par mois, les deux fois que je rentre, tout le monde à la maison, je vous garde quelque chose. Je passe à l'aéroport, je passe à la salle de quand on atterrit, soit à la salle d'embarquement, soit là qu'on atterrit. Je prends un truc pour chaque personne à la maison. Un jour, je le fais asseoir. Je lui dis que, est-ce que tu sais que je ne suis pas bête? Quand il prend les choses, il vous donne là. Tu crois que tu ne peux pas garder mon argent? Hein? Il me dit non. C'est vrai, j'ai remarqué que. Il dit, apprenez aussi. C'est parce que ces gens-là aussi, ce n'est même pas. Ce n'est pas que vous ne connaissez pas, c'est parce que vous ne voulez même pas apprendre. Parce que vous avez des opportunités, les gens vous ont donné. Jusqu'à vous avez vu. Vous regardez les novelas, non? Vous regardez les novelas, vous voyez les films? Hey! C'est ça, non? Quand tu donnes quoi que tu es bête, comme tu viens de Mengla. Tu es arrivé, il attend seulement la valise. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Non, toi-même aussi, tu peux m'accueillir avec Benz. Voilà, chérie, voilà ce qui était gardé. Voilà. Oh là là. Quand j'étais en Europe, je me disais toujours que je ne sais pas ce qu'elle va arriver au Cameroun. Ma mentalité, ça va comme les gens camerounais. Je me demandais toujours. Parce que les Camerounais voulaient toujours. Like, give me, je n'ai pas. Je suis arrivé. Voilà, ça fait 4 ans que je suis au pays. Non, I'm good.
C'est fort, envoie-moi l'argent de l'Europe. Même quand quelqu'un vient du pays, il atterrit. Les frais quand tu concours pour aller voir ce qu'il a emporté là. Donc j'espère que ça, vous avez compris quelque chose de ce que j'ai expliqué. Si vous n'avez pas compris, tant mieux pour vous. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles vous êtes encore pauvres. Selon Jocelyne, il pense que tu es bête. Et c'est toi qui dois toujours lui offrir un présent. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, excuse, c'est que tu as, non? Tu as. Et parfois, quand c'est comme ça, quand tu donnes même à la personne. Parfois, je te donne. Je vois ce que tu fais avec. Je vois que tu ne penses à personne toujours. Sérieux. Le reste, c'est prendre l'argent aussi, il te donne. Je vois. Je dis que, donc en fait, ton problème, c'était pas ça, en fait. Ton problème, c'était pas que on ne t'a pas. Non, c'était pas ça ton problème. C'était pas que tu n'as pas l'argent. C'est que même si tu avais, tu ne donnerais pas. Simple. Très simple. Même si tu as, tu ne donnes pas. Voilà. J'espère que ce direct vous a aidé. Si ça ne vous a pas aidé, je m'en fous. Est-ce que vous me payez pour mon direct? Oh my God. Oh God, je crois que j'ai bu là, je m'en foutise. J'ai bu ça, c'est un bon goût. Mais je m'en foutise. Pardon. Bon, ceux qui ont demandé les lectures d'énergie là, les lectures quoi là, c'est demain. Je reprends le boulot demain. Donc contactez-moi inbox. C'était rééquilibration énergétique. Et si j'ai fait votre lecture, vous voulez encore plus sur la lecture? Ouais, je crois qu'à partir de demain, je pourrais encore le faire. Mais ce sera en privé. Bon, me contacter pour ça. Demain. Demain, ok. Aujourd'hui, venez seulement pour le direct et tout. Je ne consulte pas les dimanches. Donc, on le fera demain. Mamie fleurie, j'aime moi ma folie comme ça, et ça me plaît. I can entertain myself. I can entertain myself. Je peux rester seul là à ma maison. Je ris seul, je fais tout seul, ça me plaît moi seul. Hmm? Je parle après, je ris encore seul. Je dis, je suis une tombe là. Je t'assure, ça me plaît. Beaucoup de pensées que je partage ici avec vous, c'est des pensées que j'ai eues seules. Genre, je reste dans ça, je réfléchis après. Je dis, mais c'est vrai ça. Tu vois. Après, je vois les oiseaux, je parle avec les oiseaux, je parle avec les cocoricos. Ouais, un peu. Bon, vous passez une bonne soirée. Commencez à donner. Vous avez suivi. Et laissez partir. Si quelque chose est à partir, laissez ça part. Pour Tarnon. Tarnon. Et ne vous cassez même plus pour parler des gens qui vous ont énervé, de vos haters. Ils ne méritent pas l'aise. Imagine-toi dans ta chambre. Dans ta chambre, en train de parler de quelqu'un qui t'a énervé. Non, c'est trop d'honneur. Ton nom ne va pas être prononcé dans ma chambre. Ton nom n'aura pas le privilège d'être prononcé dans mon salon. Je comprends. C'est à toi qui parle. Je ne penserai même pas à toi. C'est là que tu vas comprendre que tu n'as vraiment pas compté. Genre, la fille ici. Même pas un post sur les réseaux sociaux pour moi. Jusqu'à ce qu'elle lit, qu'on s'est fait sentir qu'elle est en train de me parler. Tu ne payes pas le loyer dans ma tête. Parce que dans ma tête, là, les rues sont en or. Hein? Les manoirs sont en diamant. Tu ne peux pas vivre là-bas. Tu verras la cité de loin, tu ne vas jamais entrer dans la cité. Donc, laissez-les loin. Mettez-les loin dans le désert. Vous prenez l'hélicoptère ou le jet privé pour venir. Ne venez pas ici avec eux. C'est très important ce que je dis là. Parce que pour avancer, c'est devant. C'est devant. Pop, 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 pop.
On prend l'argent, on met. On prend l'argent, on met. On se réveille, c'est déjà venu. On prend encore, on met. Tu dors, ça vient dans le sommeil. Tu te réveilles encore, c'est déjà là. Tu prends encore, tu mets. Les idées viennent. Tu te réveilles, les idées viennent seules. Tu mets les idées en pratique, ça donne l'argent. Tu rencontres les gens, on te donne l'argent. Si vous pouviez savoir, je vous assure que ça paraît fou, mais c'est comme ça que je vis. Souvent, les sorciers sentent, je dis que je sens qu'il y a une idée qui a l'air d'arriver. 4 heures, bien. Je me lève, tcha, voir l'idée de 5 millions qui est venue. Bonne soirée. Bye. Vous aimez trop. Si ça ne dépend que de vous, ce que je passe mes journées sur Facebook. Ce que je mets la caméra là-bas, je fais tout ce que je fais dans la maison. Là, vous allez avec moi. Yeah. Yeah. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un comme ça? Est-ce que vous avez vu mon inbox? Dites que laissez mon inbox tranquille. Bye bye.